Yorana e manava iruto ite gif anhora top class naruto ite reo thaichi. Te ye te thaif ateni numaina, afar umai ite ye tu apoto. Puhira amaye e te tamae te ohitum a tu wa e yaha ya mate af ateni to tawane parau af ateni to tawane aia o maha ena tu tonu ya umata e te yenere oto to utino e te i ea ea Te o tia he tia'a. Te e ewa vahine e te hor aroa. Ta tāia urima. I te anu anu o te vea te ati. Te veino o e pape iwi. I ta veina e te vahine whānau tamu. E itai ore, wau meit e o tau i te ief ateni no maaena. Wafar oa nei oe te para o te paraharaha, te ie te a amu o tea, ho ei a ta a eroa. Ama te kai mai. Tea. Papehia e Louise Roule, tahu hoahia e Valérie Chenot. Nen ehia e te pu CRDP no Porinetia Frane. Te ie te tai whātia a no te parau o te parara. I mūt aihora, ho e noa uto te moita. Ho e i roto pui rātou mea ua ua. O te aia, ua ua tōna ur anarto i te reo teiti. A whār o mei tei te ohipai tupu. Te oto nei o te ano tōna ua ua. Te whāo o nei te tei atu moita iana ma te parau atu e e hohoa mai tōna. Aita o te ai tāuahia no te mea aita tōna e u. Here atura e taparu i te u o te mauian enei. Aita rā rātou i whaari. No tōna māuiwi, here e atura o te a. Wharere atura i te tōtara, whātea atura i tōna aamu. E hin aro te tōtara e tauturu i a te a i te imirai te mou u. Wa i te oia e mea nāwhia, te rā e i whāri. Au atura rāua e wharerei atura i tio e honu, te i tauturu ia rāua no te tāpai i tahatei. I tahatei, o pupu atura te tōtara, ma te hapā ina i tio e tei, no te pī te ar i o te mou pepe, oia te i te mou u atua. Tu umaru no atura te mou pepe i te tei o tō rātou mou u, i roto i te pōreho whātahia e whaari. Pēni atura te whee ia te ai te mo u o te horoahia mei e te mo pepe ma te whā ohipa i te tara o te wana e te rimu. Nā te teia hi opoa e hapira iana. E ere o te ai te mea ua ua whahau, te oa oa nei oia. O vei atura ia tō oi oa i te iene, e ere hei oa i te mea ua ua whahau o te reo ia o te moia. O pārharhavau e uto u mei tō te pepera te huru. No reira, i te iemhana, te mate tēne tato i te iemo pārharha i roto i tō tato mō teiroto. Hin aro atura te moia ho e noa uto rato, te tei u e atu.
Rave atura i tumo u i horo a hia mei tumo pepe no te pēni i te teitore, tawhetawheta, pōtā e te reini rarahe. E o iri tei ua o tei a hi opo ai hap i te whee. Wariro oia e hoa pāpū no te a te pārhara. I te omuara o te aam, ua māuiwi o te a, no te aha. No te mea ua moe ona, no te mea aitatona e u, no te mea aitatona e whaeara. I te omuara o te aam, ua māuiwi o te a, no te mea aitatona e u, e aitaona i tāuahia e te teimauia. I te hopeara o te aam, no te aha o te a i hini āruei, iap ihia o ia e i parara. No te mea te hini āro nei erere, no te mea e tino pārauraru tōna, no te hamana or ai tōna hoar ai te maupepe. Te hin aro nei o te a iap ihia o ia e pārharha. No te mea e tino pārauraru tōna. O vei tei tauturu a te a i te tauira. Ua tauturu pōrua rātou i a te a. Ua arat ei te tōtara e te honu iāna i tātei. Ua horoa te mau pepe i te mau ū. Ua pēni te whee i a te a. Ua haap e te o iri i te whee. Ua hinaro te mau i an ene o te teiroto i a riro rātou mai i a te a. E ua riro atoa rātou e i hoa nōna. I teie nei a hauti mai, a maiti mai, te rewa aore rā te miti. I aoti a pēni te hohoa o te tei animara e te uhuru rau e te nehenhe. Te vei ato ara te tei atu mau puta i niai te mau animara no te miti a te pū CRDP no Porinetia Whraani. Honu i tie, te apu o te ua, te aai o te mārara, te eito no te teiroto. Te tere o ātoti. O te puta ia, Tea, Papehia e Louise Roulet, tahohoa ia e Valérie Chenot, nenehia e te pū CRDP no Porinetia Whraani. Te mai oe i teho e tuha o te ie aam. Atai oe te puta, Tea, Papahia e Louise Rulli. E hurhuru to ratou, e himene atoa ratou, e ahara ia. E manu. I te ie mahana, e matai tai mai oe te mau manu no Porinetia Whraani. Te mau manu no Porinetia Whraani. No te rei a, te mau manu, o te mau vini ia o tō tātou mau āua, aore rā, te mau huru manu e i te hia nei i te ātea e. I veinoa nei te ie mau manu i muta aihora? E fofuā nei tō te manu no te maoho i te rāratau? I muta aihora? Hou te tair āmai te tata, wa i ēna tō tātou mō mutu i te mō manu. Nō te mō ānimara te hē mei te iore, te puaa, e te uri, te awhehia me e te mō ihi tei maahui, i mō wairawe rau huru manu. I muri ho, wa tā mei te iore ere ere, te pifare, te ānimara whaamu, e te mō manu te hē api, wa mau whaahau rawe rau manu. Wa harua tō ahia te manu, e whanin he e e maa. E maa aurua hia te huero manu, te whanaua manu, e tēnu atu i te mau manu paari, te mea rarhei hoa rā.
I rawehi ana te mohuruhuru manu no te hamanir a o te mohau, o te motau arhe. I wha ahau atu ahi ana te motoa e te mohari. Wa te aturi no ahia e te roto i te mohuruhuru manu te mana o te mohatua. I hafof a e i maimi no ahi ana wethei mohuruhuru manu te mea ute ute iho ara. E weid a pāpū tō te mōmanu i roto i te orara o te māhu. I te pēo te tautei, e te whanora ana te moana. I ni anua i te hi ora i te huru o te mōmanu no tua, wa i te tmo ihitei i te weid a o te mō aereia. Wanen he atua i a rātou, e ha pāpū i te weid a, e te atear a o te ho e mutu, te i pirimeira, e te orea e i te hia. E aha te huru i te etau. I te etau, te whaohipa noa nei te mou tātarawa ai i te mou manu no te titau i te mou iri ia. Are ara no te titau i te hu e motu, wa monohi e ia e te mou tauhi a rorowira. Te whaohipa nohi a nei te mou huruhuru manu no te hamane huara i te mou ahu ori. E no te mea hoi te varavara nei, te poroihi a nei te mou huruhuru manu haaware i te ara. E mea ohi e ia. No te reheir a, te mō manu at whenua, po te mō manu ia te whaaohia mai i o tato nei. O ta tato ia i tenei i te mō mhana atoa. Iau i te whaature ai porine tia wharani, e whaatia hia e haa mau ve tai huru manu, no te mea te haafifi nei rātou i te mō manu tumu o te whenua nei. Te amu atoa nei te mō uri e te mō pifare e overe nei, i te mohuero e te mowhana ua manu. E whiwhirahi atua te reira no te mowmanu tumu. O te iore ere ere rā te tumurhei i maua i te mowmanu tumu. No reira, ua tuuhia i te mowafata no te haru i te mow iore i te uahu no veipa ee i uahuka. I reira ana e itehi ai te pihiti tā rei. Te irimatara, te vini ura tā rei o te maumotu no Porinetia Wharāne. Ia vai ā e ia paruruhia te ie manu nehenhe mau i te mau aere iore. E ere te mau ānimara tāhean e te haawhiwi i te mau manu. Te vei ato arā te mau patura arahi o te kīahi arātou i uta i te mou wahai uaua. I te ie mhana, te paruruhia nei te mou manu. I nuuhiwa, waharuhia te mou upe e te pupāruru nei i te mou manu no Porinetia, pihia manu. Wa afaihia te mou upe i uahuka no te wha aere wha ahau. Wa manuia te ie ohipa. I tuha apema, waharuhia piti ohuru mahitu vini ura no te afaiatu i ātiu i te pēraro toa mā, no te wha aere wha ahau i te reira manu. I te tahi maumutu, te whaatura e te paruru nei te mautaata i te mauvahi wha aere a o te maumanu no tua. Nā te ie whaanahor a fauwha aroa e haamet ei i te wha aere a. Ei hi ora, i uhauka, nā te apora a oire e whaoti i te ohi a o te mahuero kaweka. A tā mau mai tai. I muta ai hora, hou te tēr ame o te tāta, e mear hei te mahuru manu taipe i nea i tu tātou mo motu. I te tēr ame i rā te tāta, e te mahuru animara tehe, e rawe rei manu te maurua. I muta ai hora, e mea fofu aroa te mou manu no te maahe. Wa haruhia vet hei no te tamaa, aore rā no te whanhen he. Wa hawa ohipanua hia te hei no te tautei, e no te whano na te moana. E fofu atua to te mou manu, i roto i te tiaturi rā te maahe, e te tiara ao te mou wari. Wa man anua hiana, te i roto i te mou huruhuru manu, te mana o te mou atua. I te ietau,
Aita tātou i mātou ahau i tā tātou mō manu. Te mō manu an e no tua, te mātouhia e te mō tātā rawa ai. Te whiwhi nei te mō manu i roto i te ieorar a api, e no tō tātou atua hapa ore. A rohi amui an e no te pāruru ia rātou. Wira. E fof ar hei tō te mō manu. Ea hato o tō manao. Heroa tatatou mō manu, e ere anei, te whiwhi nei raratou. No te parurur ai aratou, e ere a te ohipanoa na vetahi e. A haere atu ini ai te reni na tirara, a te pū no te taatir a manu. Parhei anei. Bonjour et bienvenue dans Top Class. Pour commencer, je vous propose de partir aux Marquises, dans l'île de Oahuka, où nous attend un magnifique oiseau bleu. Je ne vous en dis pas plus, on regarde. Des trois espèces de loris présentes en Polynésie française, je suis l'espèce endémique des Marquises. Autrefois, mon espèce était présente dans tout l'archipel marquisien. Mais aujourd'hui, je ne vis plus qu'à Oahuka, la seule île encore épargnée par le rat noir. Comme les deux autres loris, j'ai le bec et les pattes orange. Mais mon plumage présente un camaïeu de bleu avec, sur le dos, un bleu turquoise lumineux. Je me déplace par petits groupes à la recherche de nourriture dans les vallées et les forêts de notre île refuge. Graines de bois de fer, fleurs de cocotier, nectar et fleurs de bananier sont un régal. Cette juteuse goyave est un délice. Mon espèce est protégée par la réglementation de Polynésie française, car je suis classée espèce en danger par l'UICN. Alors, protégez-moi, j'appartiens au patrimoine naturel de la Polynésie française. Quel bel oiseau, n'est-ce pas? La Polynésie peut être fière d'avoir un si beau lori. À nous d'œuvrer ensemble pour sa conservation, car il appartient au patrimoine naturel mondial. Tu as sans doute déjà fait connaissance avec Temata, une petite danseuse tahitienne. Sois attentif à l'extrait de l'album d'aujourd'hui, tu découvriras d'autres facettes de son personnage qui te permettront de mieux la connaître. Cet album éponyme, Temata, petite danseuse tahitienne, édité par le CRDP de la Polynésie française de Louise Roulet et illustré par Myriam Stroken, te propose de mieux connaître Temata, la petite danseuse tahitienne. Sois attentif à ce personnage de fiction et à sa passion, la danse. Elle s'appelle Temata, elle a 12 ans et elle vit à Tahiti. Elle a une passion, la danse polynésienne, qu'elle pratique dans une école de danse familiale. Avant chaque spectacle, elle s'assoit sur le péoué et, la tête recourbée, se concentre sur son ouvrage. Avec ténacité, méticuleusement, elle confectionne ses costumes de scène comme le faisait sa grand-mère, restée à Tatakoto. Avant chaque spectacle, méticuleusement, elle coud tous les minuscules et petits coquillages, les plumes et les fibres végétales qui font la richesse et la beauté de ses tenues. Elle ne doute pas de leur solidité. Avant chaque spectacle, elle répète ses pas.
seul ou avec les autres danseuses. Parfois, le chef de groupe compose une chorégraphie spécialement à son attention. À chaque spectacle, Temata, souriante, gracieuse, s'avance souvent la première sur l'immense scène suivie par tous les danseurs. Sans crainte ni honte, elle exécute la gestuelle qui valorise son corps, qui favorise la grâce. Les toere, les pahu et les ptariparao résonnent dans la nuit. Le rythme parfois simple, parfois saccadé, scande tantôt des aparima, tantôt des otea. Temata alterne avec assurance les danses lentes, aparima, ou rapides, tamure. Ses pas sont sûrs, rapides et légers. Son port de tête est majestueux. Sa haute coiffure la grandit. À chaque spectacle, avec détermination, Temata impose agréablement aux spectateurs son élégance et sa maîtrise d'elle-même. « Ce soir, je vais donner le meilleur de moi-même !» se dit-elle à chaque fois, heureuse de danser. Après chaque spectacle important, le chef de groupe invite toute sa troupe de danseurs chez lui pour un grand tam ar'a, un grand repas traditionnel. Dans l'air flotte une ambiance familiale, festive et ancestrale, les notes de musique et les parfums des fleurs des couronnes. Les fumées des plats traditionnels s'élèvent du four tahitien ouvert. Chaque année, au cours d'un tam ar'a, le chef du groupe annonce aux danseurs le nom du pays étranger dans lequel ils iront se produire. Cette année, la troupe se rend en Chine. À l'aéroport, Temata est couronnée du traditionnel collier de coquillages. À son retour, à l'aéroport international de Tahiti Fa'a'a, elle retrouvera l'orchestre, la fleur de tiare offerte aux passagers qui débarquent de l'avion, et se verra offrir le traditionnel collier de fleurs. Grâce à sa passion, Temata peut voyager. « C'est la danse qui me donne cette chance !» dit-elle. Temata est l'histoire d'une petite danseuse tahitienne. Comment sait-on que cette histoire se passe à Tahiti, en Polynésie française ? Nous savons que cette histoire se passe à Tahiti grâce aux éléments suivants typiques de la Polynésie française. Le nom de l'aéroport, l'aéroport international de Tahiti Fa'a'a, les noms des instruments de musique, toere, les pahu et les tariparao. Les costumes de danse, le costume végétal et le costume traditionnel. Le repas traditionnel, le tam ar'a. Quelle est, parmi ses qualités, celle qui est indispensable pour être une bonne danseuse ? La ténacité ? La patience ? La grâce ? La plus grande qualité requise pour être une bonne danseuse, c'est la grâce. Temata est méticuleuse et minutieuse. À quel moment Temata fait-elle preuve de ces deux qualités ? Lorsqu'elle danse sur scène, lorsqu'elle confectionne ses costumes. Temata fait preuve de minutie et de méticulosité lorsqu'elle réalise ses costumes. Lorsque Temata danse, elle effectue des voyages grâce à cet art. Est-ce important de faire rayonner sa culture dans les pays étrangers ? Discute-en avec tes camarades. C'était un résumé adapté de l'album Temata, petite danseuse tahitienne, de Louise Roulet et illustré par Myriam Stroken, aux éditions du CRDP de Polynésie française. Alors, as-tu envie de danser comme Temata ? Retrouve-la dans l'album Temata, petite danseuse tahitienne, de Louise Roulet, illustrée par Myriam Stroken, aux éditions du CRDP de la Polynésie française. On l'appelle cyclone dans le Pacifique, typhon en Asie, ouragan en Amérique. Tu as déjà entendu parler de ce phénomène, ou peut-être l'as-tu vécu ?
Mais qu'est-ce qu'un cyclone? Et peut-on prévenir les risques liés aux cyclones qui frappent la Polynésie française? On regarde. Véhéna en avril 1983, Oséa en novembre 1997, Oli en février 2010, ces noms sont restés dans les mémoires, surtout des habitants des îles frappées par ces cyclones. Une cinquantaine de cyclones se forment en moyenne chaque année, dans le monde, dans la zone tropicale. La Polynésie française se situe dans cette zone. Rappelle-toi, fin janvier, début février 2010, Oli a parcouru 3000 km à travers le sud-ouest de l'océan Pacifique et la Polynésie française. Suivons-le. Le 29 janvier 2010, on observe d'importants amas de nuages au nord-est des îles Fidji. Une dépression se forme. Le 1er février, la dépression tropicale prend le nom d'Oli. Elle est située au nord des îles Cook, à 1000 km de Bellinghausen et 1500 km de Tahiti. La dépression s'intensifie et se déplace vers le sud-est. Les prévisions météorologiques annoncent son passage vers Sili, Mopelia et les îles sous le vent. Un avis de mise en garde est diffusé par le Haut Commissariat pour les archipels de la Société des Australes. Il annonce une houle pouvant dépasser 4 mètres, de fortes pluies et des vents en rafale de 100 km/h. L'itinéraire prévu pour le cyclone Oli se confirme. On passe à l'alerte orange, c'est-à-dire une menace de passage du cyclone dans moins de 48 heures. Le 3 février, l'alerte rouge est déclenchée pour les îles sous le vent, puis pour les îles du vent. L'alerte rouge indique une menace de passage du cyclone entre 12 et 18 heures. Dans la nuit du 3 au 4 février, le cyclone Oli passe à 160 km à l'ouest de Maupiti, à 300 km au large de Tahiti. Dans les heures qui suivent, le cyclone Oli s'intensifie entre Tahiti et les Australes. Les prévisions annoncent son passage sur l'île de Toubouaï. Dans la nuit du 4 au 5 février, l'œil du cyclone passe sur Toubouaï avec des vents en rafale de plus de 200 km/h. Après avoir frappé Toubouaï, le cyclone s'affaiblit. Il redevient une dépression. Le 6 février, il passe à 150 km au sud-ouest de Rapa. Qu'est-ce qu'un cyclone? Un cyclone tropical est un tourbillon d'air chaud et humide d'un diamètre de 200 à 500 km, parfois plus. Vu de l'espace, il se caractérise par des bandes de nuages disposées en spirale, attirées vers un anneau central. Au centre de cet anneau se trouve l'œil du cyclone d'un diamètre de 20 à 35 km. C'est une zone d'accalmie peu nuageuse. Au centre du système, la pression atmosphérique baisse considérablement. Plus la pression est basse, plus les vents sont forts. Ces vents tournent à une vitesse souvent supérieure à 200 km/h, dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Cela est dû à la rotation de la Terre. Dans l'hémisphère nord, les vents tournent dans le sens contraire. L'ensemble du système progresse un peu comme une toupie qui tourne sur elle-même et se déplace lentement à 20 ou 30 km/h. Avec les vents violents, le cyclone est accompagné de pluies torrentielles. Elles provoquent des crues dans les rivières, surtout si les pentes sont fortes comme à Tahiti. Les rivières débordent et inondent de vastes zones. Les sols, sur des pentes instables, gorgées d'eau, glissent vers le bas. Ce sont les glissements de terrain qui emporte parfois maisons, arbres et routes. La baisse brutale de la pression atmosphérique, combinée aux effets du vent, provoque une surélévation du niveau de la mer. Une houle importante se propage à des milliers de kilomètres du centre du cyclone et précède souvent l'arrivée du cyclone. Elle touche les rivages des continents et des îles. Les zones côtières basses sont alors particulièrement menacées. Les cyclones naissent dans les régions tropicales sur des océans dont la température est supérieure à 26 degrés centigrades, sur une épaisseur d'eau de plus de 50 mètres. Sur cette carte sont indiquées les différentes zones de formation des cyclones et leurs itinéraires. Le Pacifique Sud est particulièrement concerné. La structure d'un cyclone est la suivante. Au-dessus de l'océan, où l'eau est à plus de 26 degrés centigrades, l'air chaud et humide monte en spirale. L'air est aspiré comme dans une cheminée, à très haute altitude et à très grande vitesse. Vers 15 000 mètres d'altitude, le froid provoque la condensation de l'humidité sous forme d'un tourbillon de gros nuages qui provoque des vents violents et des pluies torrentielles. Au passage du cyclone Oli,
Des pluies diluviennes, des vents violents et surtout une très forte houle ont touché les îles. De nombreuses maisons ont été fortement endommagées ou détruites. Des terres agricoles ont été recouvertes d'eau de mer. Les cultures ont été perdues. Les réseaux de distribution d'eau potable, d'électricité et de téléphone ont subi des dégâts. Des routes en bord de mer ont été arrachées ou recouvertes de gravats en provenance de la mer ou d'arbres abattus. Le cyclone Oli a fait un mort à Toubouaï, mais des cyclones précédents ont été plus meurtriers. Au Tuamotu, les atolls sont particulièrement sensibles aux houles cycloniques. Les cyclones de 1878, 1903 et 1906 y ont fait 752 morts, ceux de 1983 une dizaine. Les prévisions météorologiques permettent d'alerter à temps la population et de prévenir des risques. Les dégâts sont inévitables, mais on tente de les limiter et surtout de préserver les vies humaines. Pendant la saison cyclonique de novembre à avril, un système d'alerte progressive renseigne la population sur les précautions à prendre. Tu peux les trouver dans le dépliant « Les gestes qui sauvent » distribué par le Haut Commissariat de la Polynésie française. Dans quelles zones climatiques les cyclones peuvent-ils naître et se développer? Les océans des régions tropicales, dont la température est supérieure à 26 degrés centigrades, dégagent beaucoup d'air chaud et humide. La chaleur passe dans l'atmosphère, il peut alors se créer un grand tourbillon, un cyclone. Celui-ci produit, comme dans une cheminée, une énorme quantité d'énergie à très haute altitude. L'énorme masse nuageuse qui se forme crée des vents violents et déverse des pluies torrentielles. Vents et pluies déclenchent des catastrophes dans les terres habitées se situant sur le parcours du cyclone. Peut-on en contrôler les effets? Les prévisions et la prévention permettent d'en atténuer les effets. Cherche avec tes camarades pourquoi les atolls sont plus particulièrement en danger lors du passage d'un cyclone. Bonne recherche! Tu viens de voir un risque majeur de notre environnement tropical et océanique. Nous verrons d'autres risques qui existent dans cet environnement. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Eh bien, jeune homme, pourquoi tout ce charivari? Oh, bonjour, grand-mère. Est-ce qu'une belle image magique vous ferait plaisir? Magique? Ils ne me paraissent pas trop magiques, vos bouts de papier. Oh, mais ça alors? C'est Mourad, mon petit-fils. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? À vous de le deviner. Et vous verrez toutes mes images prendre vie. Très bien. Qu'est-ce que nous avons là? Une paire de chaussures de sport? Oh, j'y suis! Mon petit Mourad court! Même qu'il court le marathon! Autour du lac, bien sûr! Oh, mais c'est moi, cette petite bonne femme! Ah, j'y suis! Demain, le jour de mon anniversaire, Mourad court le marathon autour du lac! Oh, j'espère bien qu'il va gagner! Bravo, grand-mère! Vous avez parfaitement bien identifié tous les constituants de cette phrase. On a le sujet. Mon petit Mourad, car c'est bien lui qui court. Il y a aussi un complément de verbe, le marathon, qui indique à quel type de course participe Mourad. Et enfin, des compléments qui indiquent le lieu et le temps. On sait alors où et quand Mourad court le marathon. Et tous ces groupes de mots s'organisent autour du verbe, car le verbe est l'élément important de la phrase. Chaque groupe de mots dépend du verbe et a une fonction particulière. Cours, mon petit Mourad, cours! Allez, vas-y!
images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Ah, vous tombez bien, jeune homme. Vous n'auriez pas vu mon petit-fils Mourad par hasard? Mais si, le voilà. Tiens, il nage, mais où est-il? À vous de me le dire. Je ne sais pas. Disons, l'image numéro 3. Mon petit Mourad nage dans l'espace. Mais enfin, quelle drôle d'idée, il va attraper froid. Très bien, alors vous préférez qu'il nage dans son lit, dans le désert, au milieu d'un champ de blé ou dans la mer? Dans la mer, ça va de soi. Mais quand donc est-il parti nager? Je me le demande. Après sa journée de travail? Oh là 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 là. Et sa copine Lola qui l'attend pour aller au cinéma? Elle va se faire du souci. Attendez, je peux arranger ça. C'est la magie des compléments circonstanciels. Dans une phrase, ils apportent des précisions. De lieu, de temps, mais je le sais bien, jeune homme. Et regardez, on peut les déplacer comme on veut. On peut même les supprimer, car ils ne dépendent pas du verbe. C'est malin, le voilà qui nage dans le vide maintenant. Un jour de grand soleil, mon petit-fils nageait dans l'océan. Oh, le voilà! Il s'amuse avec les dauphins! Oh, il est mignon! Bon alors, tu vois Nina, le but c'est de reconnaître un angle droit dans une figure. Et plus tu en reconnais, plus tu gagnes de points. D'accord Zoé, je vais essayer. C'est parti. Ah, alors là, je ne vois pas d'angle du tout. Normal, les cercles n'ont pas d'angle. Mais prends le plus petit, il nous servira pour faire un gabarit. Tu verras, c'est très utile pour vérifier les angles droits. Bien joué Nina. Continue. Oh, oh, regarde Zoé, il y a plein d'angles ici. C'est le moment de fabriquer le gabarit. Tiens, donne-moi la manette. Je vais te montrer comment on fait. Alors, si je me souviens bien, il faut plier comme ça et comme ça. Et j'ai mon gabarit d'angle droit. Pour en être sûr, je vérifie avec l'équerre. Formidable! Les deux angles droits s'ajustent parfaitement. Et voilà, je te rends la manette. Alors, je place le gabarit ici et il se glisse exactement le long des deux côtés. C'est la preuve que c'est un angle droit. Je peux donc le coder. Vite, Nina, le temps presse. Et hop, le gabarit se glisse exactement le long des deux côtés. Et là aussi. Youhou! Ce sont bien des angles droits. Bravo, Nina. Deux dans la même figure. Continue, il ne reste plus beaucoup de temps. Et voilà, c'est noté. On fonce. Aucun angle droit dans ce quadrilatère. Vite, je dois en trouver d'autres. Et là, on dirait un rectangle. Bingo! Encore quatre angles droits d'un coup. Waouh, dis donc, il a mangé des vitamines, ton bonhomme. 7 au total. Bravo, Nina, tu es la reine des angles droits. Merci Zoé. Et pour fêter ça, j'appuie là et je déclenche la méga danse. Quand elle court, Maria a besoin de musique. Cela lui permet de s'évader, de voyager seule dans ses pensées. Enfin, pas tout à fait seule. Ah, oh, pardon, ça fait 2 fois que je me plante. 3 fois. On la refait tout de suite? Ok, on y retourne. Donc oui, pas tout à fait seule, car... pour que Maria puisse rêver en musique, il a fallu réunir pas mal d'éléments. D'abord, composer un morceau original. Interpréter ce qui avait été composé. Enregistrer et mixer le morceau.
mais aussi à de la nourriture, des vêtements chauds, puis aussi du café, une babysitter, un ticket de bus, un nouveau téléphone, payer l'électricité, plein d'autres choses. Et oui, derrière chaque morceau, il y a des gens qui travaillent et comme tout le monde, ces gens ont des besoins. Les auteurs, les compositeurs, les musiciens, mais aussi ceux auxquels on pense moins, les ingénieurs du son, les producteurs. Ils sont tous payés en échange de leur travail. Quand leurs titres sont diffusés sur Internet, passent à la radio, à la télé ou même sur la Lune. C'est ce qu'on appelle le droit patrimonial. Sans y penser, Maria emmène plein de gens avec elle dans ses écouteurs. Et pour qu'elle vive en musique, les musiciens doivent vivre de leur musique. Qu'est-ce qu'on peut faire à Tire-Larigot ? Bien des choses, selon ses envies. On peut prendre des jours de congé à Tire-Larigot, aller au cinéma à Tire-Larigot, faire les soldes à Tire-Larigot. L'expression est familière et on la trouve davantage à l'oral qu'à l'écrit. Mais elle sent bon son ancienne langue et on voit qu'elle a vécu. Dans son écriture, dans sa prononciation et dans sa construction, elle est profondément française. Elle sert, comme on dit, d'intensif et elle fonctionne comme un adverbe. Attire l'arigot, c'est-à-dire beaucoup, même énormément. Il y a toujours un effet de sens quand on emploie cette formule. Souvent, on est critique, mais pas toujours. On peut être aussi admiratif. En tout cas, on souligne que la mesure a été dépassée. On peut faire des affaires à Attire l'arigot, dire des mensonges à Attire l'arigot. On a l'idée qu'on ne s'est pas réfréné, on n'a pas mis de limite, jamais on a dit non. Ça veut presque dire le plus possible. Et fréquemment, on emploie cette locution quand on mange ou quand on boit. Il semble même qu'il faille trouver là son origine. Le larigot, jadis, c'était une flûte, c'était un instrument de musique. Mais bien vite, la flûte, comme le larigot, désigne aussi un verre ou même n'importe quel flacon qui contiendrait du vin. Boire attire larigot, c'est donc d'abord boire sans s'arrêter, un verre après l'autre sans détacher la flûte de ses lèvres. Et le verbe tirer s'accorde fort bien au larigot et à ce genre de signification. C'est le terme qu'on emploie pour dire que le liquide passe d'un contenant dans un autre. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Depuis toute petite, Julia rêve de tout savoir sur la Terre. Après avoir visité nombre de pays, traversé toutes les mers et passé son diplôme d'exploratrice, elle est devenue Captain Julia, accompagnée de son fidèle lieutenant, Tom, et du professeur Geek, qui invente toujours des choses pour aller plus vite et plus loin. Ce qui est bien pratique, car Julia veut toujours tout savoir sur la Terre. Et pour cela, il lui faut prendre de la hauteur. Poussée par les vents, Captain Julia s'envole vers le plus haut sommet au monde, le mont Everest. Très vite, elle découvre une vue magnifique. Mais plus elle monte, plus elle a du mal à respirer. Normal, explique le professeur Geek. La Terre est une planète entourée par une couche de gaz, l'atmosphère, qui nous permet de respirer et nous protège des rayons du soleil. Et l'atmosphère se raréfie en altitude pour disparaître dans l'espace. Pour en savoir plus, le professeur Geek a mis au point une toute nouvelle fusée et une combinaison qui permet de respirer dans l'espace, là où il n'y a plus d'atmosphère. Protégés par leur combinaison, Julia et Tom découvrent pour la première fois la Terre vue de l'espace. Quel spectacle merveilleux que celui de notre planète entourée d'atmosphère qui nous permet de respirer et nous protège des rayons du soleil. Voyez ces parties émergées, les continents et ces océans. Car l'eau est très présente sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme la planète bleue.
Julia et Tom peuvent voir de plus près la Lune, ce satellite qui tourne autour de la Terre. Mais poussée par sa passion d'exploratrice, Julia veut toujours en savoir plus. Heureusement, la fusée du professeur Geek est très rapide. Et Captain Julia admire alors la Terre, qui n'est qu'une des planètes qui tourne autour du Soleil. Elle fait partie du système solaire. Grâce à un ordinateur super puissant qui permet de voir une image des planètes alignées, Julia découvre que notre belle planète Terre est la troisième en partant du Soleil, après Mercure et Vénus. Mais plus intéressant encore, dans l'état actuel des connaissances du professeur Geek, c'est la seule planète du système solaire à posséder de l'eau à l'état liquide et une atmosphère. Et leur présence s'explique par la position de notre planète, qui n'est ni trop proche, ni trop éloignée du Soleil. Des températures ni trop élevées, ni trop basses, ont favorisé l'apparition et le développement de la vie, phénomène exceptionnel dans le système solaire. Merci et à bientôt, Captain Julia, pour de nouvelles aventures dans l'espace. Mesdames et messieurs, Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom vous souhaitent la bienvenue à bord de leur fusée pour une visite guidée du système solaire. Le système solaire est si vaste que le Soleil nous paraît petit vu de la Terre, car il est très loin. Mais en réalité, il est environ 100 fois plus gros que notre belle planète. Si le Soleil était un ballon de plage de 1 mètre de diamètre, la Terre serait un grain de raisin de 1 cm. Le Soleil est une étoile qui nous apporte lumière et chaleur. Et heureusement que la Terre n'en est pas trop proche. Pas vrai, professeur Geek? À cause de son énorme masse, le Soleil occupe le centre du système solaire et 8 planètes gravitent autour de lui. Capitaine Julia, s'il vous plaît, enclenchez l'accélérotron du professeur Geek. Les planètes tournent autour du Soleil. On dit qu'elles font des révolutions. Et en plus, elles tournent aussi sur elles-mêmes. C'est la rotation des planètes. Capitaine Julia, le nom des planètes, je vous prie. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et savez-vous que le nom de certaines d'entre elles a inspiré le calendrier? Exact, professeur Geek. Le mot lundi vient du mot lune, notre satellite. Car certaines planètes, comme la Terre, sont accompagnées d'un satellite naturel. Mardi vient de Mars. Mercredi vient du nom de Mercure. Jeudi de Jupiter. Vendredi de Vénus. Et samedi de Saturne. Merci, professeur Geek. Ah non, pour dimanche, c'est une autre histoire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, d'autres astres tournent autour du Soleil. Parmi eux, on trouve des astéroïdes, des comètes et même des planètes naines comme Pluton ou Eris. Bon retour sur Terre, Capitaine Julia. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sidérales. Dans moins d'une heure, les rayons du soleil nous annonceront une belle journée d'automne. Le temps continuera d'être beau et chaud. Ça ne peut plus continuer comme ça. Hé ! Il s'est éteint ! Ça doit être une éclipse. Ben non, tout bien que je suis derrière toi. Hé, le soleil ! Ça va? Non.
Ce n'est pas dans mes habitudes, mais là, je fais grève. Ras-le-bol de ces terriens qui ne respectent rien. C'est bizarre, il fait encore nuit. Il est passé où, le soleil ? Il paraît qu'il s'est mis au service minimum, sans préavis. C'est pas un problème, on roulera en phare 24 heures sur 24. Et on chauffera un peu plus les maisons. En fait, on n'a pas besoin de lui. C'est dur, toutes ces coupures de courant. Ah, toute la ville meurt de faim. Bon, on va aller négocier. Hé, hey, qu'est-ce qu'il veut, le soleil ? Que vous reconnaissiez, que vous lui devez tout. Mais on n'a rien à voir avec lui. On vient du fond de la Terre. Ah, vous avez la mémoire courte. Il y a des millions d'années, j'ai fait pousser d'immenses forêts dont le bois s'est accumulé sous terre et t'a donné naissance à toi, le charbon. Vous, c'est pareil. Des micro-organismes marins et végétaux ont proliféré grâce à mon énergie, puis se sont décomposés et transformés sous terre en gaz et en pétrole. Ok, ok, on est d'accord. Bon, tu peux rallumer maintenant. J'ai pas fini. Ces stocks d'énergie solaire ancienne, les humains les auront gaspillés en moins de 200 ans, en polluant leur belle planète et en déréglant son climat comme des ingrats. Et pourtant, je produis des milliards de gigawatts d'énergie directe tous les jours. Les vents sont générés par ma chaleur. L'eau de mer que j'évapore retombe en pluie et alimente les cours d'eau. Le bois et la nourriture naissent de la photosynthèse. Alors voilà mes conditions. Donner une vraie place aux énergies renouvelables. Cette fois, on va pas y couper. Très bien, mais attention, on fera le point régulièrement. Dis donc, il t'a bien aidé sur ce coup-là. Ouais, si ça, ça les a pas éclairés. Ce jour-là, Lisa Chiffros marchait d'un bon pas quand elle entendit un brouhaha. Des dizaines de pingouins faisaient la queue pour... Pourquoi exactement ? Se dit Lisa. Elle arriva devant le chef des pingouins et comprit la situation. Vous vous rendez compte ? Dit-il. Nous avons fait 999 999 pas et nous voilà coincés par cette crevasse. On ne peut pas faire un pas de plus. Ce n'est pas possible. Vous avez fait 999 999 pas. Vous n'avez besoin que d'une unité pour franchir le million de pas. Oui, répondit le chef des pingouins. C'est dommage de s'arrêter là. Avec ça, vous allez pouvoir faire un pas de plus. Allez-y. Hourra ! Hourra ! Et un million de pas, c'est merveilleux. Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer. Excusez-moi, mais comment fait-on pour compter après ? Je dois vous avouer que nous entrons en terre inconnue. Je n'y connais rien au million. Je ne sais pas comment je vais tenir mon carnet de route. Pas de panique. Il faut juste ajouter une nouvelle classe. La classe des millions, avec la colonne des unités, celle des dizaines et celle des centaines. Si on ajoute 1 à 999 999, ça fait 1 million. On écrit 1 dans la colonne des unités de millions et 0 dans les autres colonnes. C'est 1000 fois 1000 unités. 1000 fois 1000 ? C'est ça ! Pour vous repérer, il faut simplement respecter les espaces entre les différentes classes de nombres. Regardez. Quand vous aurez fait ce nombre de pas, vous direz en lisant classe par classe 2 530 060. Le 60 fait partie de la classe des unités, mais on ne le précise pas. Je crois que j'ai compris. Mais au cas où, juste pour le début, j'aimerais encore vous avoir à mes côtés à un moment. Cela vous ennuierait de faire un petit million de pas avec nous ? Pas du tout. De toute façon, c'est sur mon chemin. Et les pingouins se mirent en marche. Des millions de pas s'étendaient devant eux.
Comme le printemps venait d'arriver, Lisa ramassait quelques fleurs. Elles étaient si belles en cette saison. Enfin, c'était sans compter les taupes. Lisa, mécontente, suivit la taupe. Hé ! Vous pourriez vous excuser plus poliment ? Lui cria-t-elle. Mais que faisait donc cette taupe ? Se demanda Lisa. La taupe expliqua à Lisa qu'elle jouait à déchiffrer de grands nombres. Celle qui se trompait avait un gage. Le problème, c'est qu'aucune des deux ne savait lire des nombres pareils. Il était plus que temps pour Lisa Chiffrose d'intervenir. Elle proposa aux taupes de leur apprendre à lire ces nombres, ce qu'elles acceptèrent avec enthousiasme. Lisa expliqua qu'il fallait d'abord séparer les chiffres par classe, 3 par 3, en commençant par la fin. Les 3 derniers chiffres correspondent à la classe des unités, les 3 suivants à la classe des 1000, la classe suivante est celle des millions. Comme les taupes semblaient perdues, Lisa expliqua. Il y a 3 colonnes dans chaque classe, celle des unités, celle des dizaines et celle des centaines. 680 678 577. Vous voyez, on a entouré les noms des classes. En général, on ne nomme pas la classe des unités. Pas de panique. Je vous présente la classe des milliards. 5 milliards 680 678 577. C'était maintenant aux taupes de jouer. La première taupe était hésitante. 5 milliards 68 678 577. Ouf! Les taupes enthousiastes en demandèrent encore. 5 milliards 686 078 577. Un jeu d'enfant. Mais voilà que les taupes se mirent à faire la tête. Lisa comprit le problème. Maintenant qu'elle savait lire les nombres, elle n'avait plus besoin de se donner des gages. C'était beaucoup moins drôle. Mais Lisa trouva la solution. Lisa Chiffrose laissa là ses nouvelles amies et reprit son bouquet de fleurs, bien contente d'avoir trouvé le moyen idéal de corser l'exercice des taupes. Se laver les mains régulièrement protège du coronavirus. Si tu te touches le visage, après avoir touché un objet infecté, tu peux être contaminé. Pour éviter de contaminer d'autres personnes, lave-toi régulièrement les mains. Il faut toujours te laver les mains avant de te toucher le visage, mais aussi après être allé aux toilettes, quand tu tousses ou éternues, avant de préparer le repas et après, avant et après avoir mangé, après chaque sortie à l'extérieur, avant de t'occuper d'une personne et après. Protège-toi et ta famille en te lavant bien les mains. Du lundi au samedi sur la première, on s'instruit. Bonjour et bienvenue dans Top Class. On apprend tout en s'amusant. Nous sommes les kids de Panthère. On se réapproprie nos légendes. Découvertes et enseignements à la maison, c'est sur la première. Top Class, à 12h30 en semaine et le samedi à 11h, suivi de Kids.